Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui je viens avec une vidéo sur mon teint. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc voici le résultat final. Voilà, c'est vraiment très léger. Très, enfin voilà. Moi c'est comme ça mon teint, c'est comme ça que je le fais. Et donc si ça vous intéresse, continuez Donc à j'ai regarder. déjà appliqué ma crème transparent clinique, donc la crème de jour. C'est très important d'appliquer une crème de jour juste avant le maquillage. Ensuite, je vais venir appliquer donc mon beurre à lèvres de chez Yves Rocher. Pour, en attendant que ça pénètre et pour hydrater nos lèvres. Ensuite, je vais utiliser ma bébé crème de chez Transparent Clinique. Donc, j'avais mis une photo sur Instagram hier. Et vous avez été nombreuses à aimer. Et donc, je vais vous faire en direct le résultat que ça donne. Donc, c'est la... il n'y a qu'une teinte, c'est la naturelle. Et donc elle hydrate, elle unifie, corrige la peau. Et donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous faire ça en direct. Donc je vais venir appliquer avec mon, mon pinceau Buffing Brush donc, de chez Real Technique. Je viens en appliquer un peu sur le pinceau. Et je viens tapoter sur tout le visage pour diffuser donc la crème et ensuite je viens faire des mouvements circulaires. Donc voilà le résultat, vous voyez bien que ma peau est plus unifiée, plus fraîche. Voilà, c'est vraiment une couvrance de légère à moyenne. Donc si vous voulez encore plus d'effet, comment dire, si vous voulez encore que ce soit plus fort, n'hésitez pas à en mettre. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez. Et donc voilà. Ensuite, je vais venir appliquer mon correcteur de chez Maybelline, le Fit Me, le numéro 10. Je l'aime vraiment beaucoup ce correcteur. Il camoufle vraiment très 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 bien. Et bon, voilà, il a un grand succès aussi sur YouTube. Hein. Tapoter l'anti-cerne, c'est très important, faut pas l'étirer. Appliquer donc mon anti-cerne, je viens mettre ma poudre livre donc de chez Lancôme toujours, la numéro 4 pêche. Et je viens tapoter. Donc c'est pour apporter de la matité au visage. Pour celles qui brillent beaucoup. C'est vraiment génial. Donc j'en mets uniquement sur les zones moi
où j'ai tendance un peu à briller. Et avec le reste, je complète le reste du visage. Donc c'est vraiment important de tapoter la poudre libre parce que comme ça, elle se fixe bien. Parce que si vous les tirez comme ça, non, ça ne sert vraiment à rien. Donc c'est mieux de tapoter. Ensuite, je vais utiliser une autre poudre compacte pour matifier le teint, donc de chez ELF, la Tone Correction Powder. Et je viens juste en appliquer en dessous des yeux, là où j'ai mis mon anti-cerne, parce que c'est là où le plus souvent ça brille ou ça ne tient pas. Donc après j'en mets un peu au nez. Voilà. Ensuite, je vais utiliser donc mon Cool Bronzer donc de chez ELF. C'est la teinte Warm, il me semble. Je vais prendre celui-là. Et je vais faire mon contouring. On fait le poisson. Au maximum d'estomper pour vraiment que ça fasse un effet très très naturel. J'en viens appliquer aux tempes, donc en fait on en met dans les points où accroche le soleil. Avec mon kabuki de chez ELF, je vais venir vraiment estomper tout ça. Et voilà, vous voyez, je fais quand même un résultat un peu plus naturel. Ensuite, je vais utiliser mon highlighter de chez MAC, donc la Mineralize Skin Finish. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon blush Milani. Donc, c'est le Berry Amour numéro 3. Donc, que j'adore énormément. Il se présente comme ça. Et je souris. Et je tapote la matière. Et je viens encore une fois avec mon kabuki de chez ELF estomper tout ça. Et voilà, mon teint est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, que tout s'est bien passé et que vous avez surtout suivi.
Je vais faire donc maintenant le tutoriel maquillage, donc si ça vous intéresse, cliquez juste ici. Bisous les filles.